J'ai vu qu'il y avait un truc pour balancer les corps par ici, donc par là. Et puis balançant les corps. Ouais, dans ce genre de jeu, il faut vraiment voir tous les petits détails parce que tout peut être important. Faire ici. Foutre une mine dans le gâteau certainement. Ah non, se mettre dans le gâteau et quand tout le monde est autour du gâteau, tirer. Voilà, c'est ça que je veux. T'as vu ça? C'est énorme. Merde, c'est le pire mois de ma vie. Oh merde. Excusez-moi, je vous parle. Hey, je sais que vous m'entendez, je vous parle. Chut. Tu n'as pas le droit de me repérer. Ok. Ne brille pas toute ma couverture, s'il te plaît. Ah non, tu es dans la bouche à Ivy. Pas dans la truc bon dans ce poubelle. Je reprends ma vie tranquille. Ils sont en train de regarder. Le truc du match de Sanchez contre elle veut essayer. Non, ça peut pas être lui. Si. Est-ce qu'il va me laisser passer? Ok, je comprends. Je ne peux pas. Il va falloir que je trouve une autre astuce. Astuce, astuce, astuce. Et ça fait déjà 23 minutes. C'est tous en train de fêter l'anniversaire. Eux, elle est en train de faire un... Voilà. Ils sont tous en train de... Enfin, je sais pas quoi. On va en profiter pour passer par ici. Regardez, c'est pas une petite carte d'accès... Ou j'en sais rien. Y'a que d'elle. Bon. Je savais même pas. Ah bah apparemment ça va m'être utile. Bon, on arrive où? Derrière le garde. J'espère que je vais pas le faire apparaître. On est good. On est alright. Alright. All right. Oh, oh c'est ici. Bah on dirait qu'on est parti pour encore 30 minutes. Oh, quand je vois tout le bordel, je me dis comment tu veux. C'est impossible à faire ça. Surtout en puriste. Amy et Dr Valentine. Tu es encore contrarié à cause de
ce que le docteur Valentine a dit tout à l'heure. Laisse tomber. C'est toujours comme ça avec les filles. Ils ne sont pas doués pour les relations sociales. Quel dommage qu'il soit obsédé par les armes. Je veux dire, un esprit aussi brillant. Imagine, s'il s'était consacré à la lutte contre le cancer. Faut que je trouve un costume. Ah, ici on a une porte. Général dans l'armée. Il était en première ligne du débarquement en Normandie. Bardé de médailles. Quand lui, il aurait décidé de se mettre en blanche. Tout le tralala. Qu'est-ce que j'en sais, ce type était un vrai taré. Quand les autres garçons recevaient une voiture pour leur saison. Ouais, ça c'est des lunettes. Le jeune docteur Valentine a reçu un lance-roquette. Voilà. Non. Oui, je les ai vus. Ils l'ont amené hier. Jolie gamine. Monsieur Dexter était là aussi. Ouais, ouais, en personne. Il a discuté avec les chefs pendant... Où je pourrais te mettre? Pas par ici. Par ici, on a qui? Il y a deux bonhommes bleus, on va faire des tests. Oh, il y a forcément une couille à faire avec ça. Il jage en ce moment. Bon, on va continuer à descendre. Il y a l'enregistrement de 7 juin 1986. Le sujet de test Sanchez répond bien à la dernière injection. On a un code, donc il doit y avoir un code. La formule du super soldat. Bon. Ouais, tout est sous contrôle, personne ne peut passer. Ouais, le pont est relevé. Vous pouvez déplacer la cargaison. Compris. Pas de soucis. D'accord. 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 Allez. C'est moi que vous essayez d'éviter. Hey, il faut pas t'en vouloir. Okay, quoi? Pourquoi personne ne m'a informé? Je suis désolé, monsieur. Mais j'ai reçu des ordres de monsieur Dexter. Ce Sanchez. Oh non, tu vas venir qu'il est en haut, tu suis passé à côté d'un tué. C'est ridicule. Ce n'est qu'un prétexte pour emmener la fille comme une vulgaire marchandise. Blake Dexter ne pense qu'à l'argent. En 15 ans, je suis un génie. Je n'avais jamais obtenu de cette voie de chemin pas trop loin. Des délinquants, des fous, c'est une chose. Mais là, on parle d'une jeune fille. Elle a forcément une famille quelque part. Peu importe. Ok, vous êtes viré. Je te laisse en parler au docteur Ashford. Hein? Vas-y. Je parie pas la porte. Prenez le protocole. On va pas rester là à rien faire. Oui, il est bien. Tirez-vous comment vous.